Le point de départ du livre, c'est un suicide. C'est une femme de 80 ans qui se jette par la fenêtre de son appartement, d'un grand appartement parisien près de l'avenue Montaigne. L'idée, c'était à partir de là, une sorte de quête familiale, c'est-à-dire de retracer la vie de cette femme qui était une femme napolitaine qui arrivait à Paris dans les années 30, qui arrivait sans rien, sans bagages, sans argent, euh, sans diplôme, sans travail. Et pourtant qui, à la fin de sa vie, avait constitué un patrimoine assez conséquent dans les beaux quartiers de Paris. Ça part d'une enquête, ça part de qui était cette femme, comment est-ce qu'elle a réussi, quelles sont les personnes qui l'ont aidée, par quels moyens est-elle arrivée à ça. Et ensuite, c'est vrai que euh, à cette enquête, s'est substitué euh, la description... De quelque chose qui met assez personnel, en effet, qui est un huis clos familial entre cette femme, qui était devenue entre-temps évidemment une grand-mère, euh, une fille déséquilibrée, et moi. Avec au fil des mois, au fil de mon travail, au fil de l'écriture, à cette enquête se sont substitués des souvenirs, des choses qui, sont, qui ont émergé, des choses beaucoup plus personnelles, beaucoup plus fortes. Et c'est vrai que ce livre, c'est le récit aussi de on va dire d'une évolution même dans l'écriture et dans la, la construction du livre en fait voilà et c'est aussi le récit d'une ambition qui finit par se retourner contre soi avec des rêves de grandeur qui euh, finalement n'ont pas pu être euh, assouvis et dont elle a fini par être victime à la fin de sa vie.